Voilà, bien-aimé, désolé pour tout à l'heure, notre direct a été coupé. Donc, ma batterie était à plat. Le téléphone s'est éteint en fait, en plein direct. Donc, désolé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la volonté de Dieu surpasse toutes choses. Dans tous les cas, nous retenons que nous serons là pour deux grands événements à Paris. Il ne faut pas oublier cela. Ce vendredi 2 février, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, à Villabé, au 20 avenue de Courtes et Pluches, 9100 Villabé, nous serons là. Très nombreux, mobilisons-nous comme un seul homme. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va travailler ensemble pour la délivrance de nos familles, la restauration et l'élévation. Nous passons l'annonce autour de nous. Passons cette annonce-là autour de nous. Invitons les gens, invitons nos familles, mobilisons-nous comme un seul homme, comme on a su le faire depuis que je viens ici à Paris. Donc, retrouvons-nous par la grâce de Dieu ce vendredi à partir de 21h, de 21 à 5h du matin. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, nous soit abondamment donnée dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dimanche, à partir de 10h, on sera toujours dans la même salle pour la délivrance et la restauration. Donc, viens avec ta famille, viens avec tes enfants, viens avec tes amis, ne viens pas seul. Invitons des personnes avec nous et laissons le Seigneur manifester sa gloire. Et je voudrais tout simplement dire à quelqu'un que cette rencontre, tu ne l'oublieras jamais dans ta vie. Tu ne l'oublieras pas. Le Seigneur t'accordera le désir de ton cœur. Tout ce que tu demandes à Dieu pour cette année, que le Seigneur te donne cela. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel ouvre les portes, les vieilles portes. Vous voyez, les genres de portes là, tu vois un peu très vieilles, millénaires et centenaires que tes parents, tes anciens n'ont pas pu ouvrir. Mais qu'à cause de toi, ces portes-là soient ouvertes cette année. Au nom souverain de Jésus. Que le Seigneur te donne la grâce de réaliser dans ta famille ce que personne n'a réalisé. C'est pour cela que, par la grâce du Seigneur, cette nuit, la turbulence prophétique, la deuxième édition, c'est ta nuit à toi. Ne joue pas avec cette nuit-là, ne joue pas avec cette opportunité. Et pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse. Viens avec tes sujets de prière, viens avec tes problèmes. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Le Seigneur t'aime, il est fidèle, ton Dieu. Donc, n'aie pas peur, ne doute pas. Dis que cette nuit, c'est ma nuit, et ce dimanche, c'est mon dimanche. Et comme je l'ai dit par la grâce du Seigneur, chacun de nous doit se vêtir dimanche de ses vêtements de fête. Les vêtements de fête, les vêtements royaux. Parce que ce sera un culte royal, un culte de délivrance royale, un culte de restauration. Un culte de bénédiction, un culte où la main de Dieu sera puissante dans ta vie et dans ma vie. Je ne manquerai pas. Il n'est pas question que je manque ce dimanche 4 février, à partir de 10h, dans la salle Lune d'Or à Villabé, au 20 avenue de Courtes et Pluches, 9100 Villabé. Donc, il n'est pas question que je manque, mes amis. Considère la peine que Dieu s'est donnée pour toi, par amour pour toi, en sortant son prophète. Pour apporter dans ta vie et ta famille la restauration et la délivrance. Et pendant que tu te déplaces, la main de Dieu sera ton partage. Le Seigneur manifestera sa puissance dans ta vie. Nous sommes là pour la destruction des autels sataniques, des autels maléfiques. Dieu le fera parce qu'il est vivant, parce qu'il t'aime, parce que son nom est invoqué sur toi. Il t'affranchira de la puissance de Satan. Toutes ces choses-là qui ont bloqué ta vie pendant des années, qui ont empêché que tu sois la femme que Dieu veut que tu sois, l'homme que Dieu veut que tu sois. Nous allons prier contre ces choses-là. Le Seigneur t'apportera la délivrance. Cette année, dans tous les cas, tes ennemis seront dans les problèmes. Celui qui t'a oppressé, celui qui t'a opprimé, celui qui t'a fait pleurer, mobilisons-nous comme un seul homme. La confusion va changer de camp, la honte va changer de camp, les pleurs vont changer de camp et la victoire va changer de camp au nom de Jésus-Christ. Donc, passe l'annonce là. Partage la vidéo.
partout où tu seras, partout où tu te trouves, partageons cette petite vidéo à nos amis comme des petits morceaux de pain. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom.